Et donc, rebonjour à toutes et à tous, c'est Dazer et on se retrouve là où on s'était laissé. En même temps, je vois pas vraiment où on aurait pu se retrouver d'autre pour la suite de Kirby Adventure. Donc on va foncer dans le niveau, parce qu'on va pas perdre de temps, mine de rien. Du coup, ça sent le niveau gascouille, ça. Bon, maintenant j'ai l'habitude en même temps. Quoi que niveau gascouille, mais avec des idées sympas, hein, si c'est comme les autres. Voilà. Bon, le pouvoir rayon, en fait, ça me saoule que ce soit... qu'il est aussi développé, parce qu'en fait, je sais pas, je préférais l'époque où le rayon, il pouvait juste faire un rayon, quoi. Maintenant, il est trop développé, je trouve ça un peu chiant. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc je me débarrasse du pouvoir rayon, c'est vraiment des pouvoirs que je peux pas blairer, quoi. Limite, je me demande même s'il y a des gens qui aiment ce pouvoir, quoi. Est-ce que c'est possible d'aimer ce pouvoir? Ça, c'est pas un pouvoir, donc je m'en branle. Dommage, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de pouvoir d'ange dans ce Kirby. Ils ont pas mis. Je sais qu'il était useless, hein, mais bon... on va pas tenter en fait. Hein. Je préfère pas. Non, on va quand même pas tenter. Des fois, je me dis allez, j'y vais, mais non, je peux pas. Voilà. Je me disais bien qu'on pouvait passer quand même. Pas déconner. Oups. Je les ai tués. J'ai honte de moi. Ouais, le vieux, on s'en branle. Dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce bidule? Okay, je sais pas ce qu'il va attendre qu'il sorte secret, non, un truc dans le genre. Qu'est-ce que je dois faire là? Ok, fallait que je me baisse. Oh les bâtards quoi! T'es pas réactif, t'as pas de boulon là. Tu fais niquer un boulon. Voilà, en parlant de réactivité, ils nous en montrent la preuve encore. Allez, je prends lui parce que je l'aime bien. Ah dommage, j'ai failli toucher. Hey, il est vachement long ce niveau, hein. Enfin, vachement long en même temps, faut dire que j'ai juste rentré dedans, certes, mais bon. Vous comprenez le délire, quoi. Wow, j'ai vu un ennemi passer. Wow, mais c'est quoi, c'est... Hey, il est hyper speed, le truc du bain. J'aimerais pas avoir à courir à contre-sens. Quand je pense à tous ces pauvres ennemis qui vont à la mort en bas, là. Qui sont cons quand même. Je sens qu'il y a un truc à droite. Ah voilà, je me disais bien aussi. Oh, joli, je suis en train de les ennemis. Du coup, j'ai pas été prendre la porte côté. Oui, je suis passé devant une porte. Tata. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas la mort non plus. Ah, à moi un boulon, ouais. Ok. Wow, ok, bien tenté là, le coup d'essayer de m'uniquer comme ça, mais non, ça marchera pas avec Dazer. C'est pourquoi ils font qu'une fois. Ça veut dire en gros qu'il y aura encore une phase comme ça, quoi, et que ceux-ci ils vont être radins niveau ennemi, quoi. Je le sens venir. Non mais en fait ce niveau c'est un condensé de trucs chiants on dirait. Voilà, cristal cheaté. Nickel. Apparemment il n'y a rien de récupérer ou quoi. Je suis invisible! Ah merde, enfin, vieux piège à con quoi, tu récupères le truc et tu redeviens visible. Ok. Ok, je pouvais pas l'emmener, dommage. En quoi il servait vraiment qu'il récupérait ce boulon? Alors attention, je vais essayer de pas me faire niquer. Parce que là, je sens que là. Ok, bien on joue à Tetris là? Ok. Attends, on sent vraiment le truc basé sur Tetris quand même. Là j'ai un peu de la peine pour le pouvoir quand même qui vient de se faire niquer. Allez. Non! Non! Ouf. Pas mourir. Hein.
Oui, j'ai voulu récupérer un, mais on n'est pas pourquoi. Oh, si c'était par actif, tu te fais violer. En tous les changes de termes. Allez, on va jusqu'au 1. Oh, nickel, ça passe, ça passe. Ça passe. Oh, j'aime ce son. Du coup, on va devoir se friter le boboss là, je suppose. Attends, le top 5, c'était pas le plus dur du monde. Hein. Wow, ça c'est une mise en scène. Putain, c'est quoi ce boss? On dirait un truc genre Gundam ou je sais pas. Un truc volant. Oh, je le défie haut maintenant, cool. Putain, merde, je sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai hâte de le voir. Hein. Putain, ok, musique Super Metroid pour mettre dans l'ambiance. Je suis enfermé. Ah, je suis libre. J'ai le choix du pouvoir, on peut le lire. J'aimerais bien savoir ce que c'est le truc tout à gauche. Ah non, c'est le super saut, ok. On va regarder quand même. Ouais, c'est bien ce que je pensais du coup. Je prends épée, allez hop. On va faire à l'ancienne. Je suis Link. Le mec qui se prend à bord de la merde, quoi. Je sens que c'est ce truc qui va se réveiller. Comme par hasard qu'on arrive, quoi. Ah mais en plus ça lui ça, il perd des PV quand on le tape. Bon, enfin je veux dire, on voit des PV descendre. Putain, mais bien, ça fait une petite référence au RPG là. Regardez. Voyez, il perd des PV. Tucker Bay, une trop petite épée. Dans tous les sens du terme quand je dis ça. Hein. Faut pas croire. Non mais mon pouvoir, connard. Hop hop hop. Qu'est-ce qui lui arrive là? Déconne. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ça... Putain, mais on se croit dans Guren Lagann. Tangan Tampan, Guren Lagann. Il va sur la lune. Merde. Putain, oh, on se calme. Bon, okay. Je déconne trop là, il me rajoutait la mistouf. Faut que je le tape ou bien... Aïe, ok, ouais. Ouh, frappe d'invisibilité. Je kiffe profiter de cette frappe quand même. Celle comme on a le pouvoir. Oh, je vais pas y passer là. Enfin, si, je vais y passer au contraire. Ouh, c'est bon, je l'ai battu de just. Là, c'était soit lui, soit moi. Oui, comme je suis sur les fins et qu'il me reste plus beaucoup de temps avant de crever, j'aime bien utiliser mes pouvoirs pour attaquer l'ennemi. Je suis en mode berserker, quoi. Sauf que bon, généralement, c'est moi qui me fais berserker. Ah, bien sympa pas le boss en tout cas. Ça m'a rappelé un peu Meta Knight dans Kirby Superstar. En version pas Meta Knight. Content de te revoir, Kirby. Le repère de l'Amia, Landia, n'est plus qu'à deux pas d'ici. Putain, ça veut dire que je me fais encore deux mondes. Sur le tas de dragons, vit dans l'endroit le plus reculé de cette planète. Comme de par hasard, il arrive à me toucher avec un boulet de canon, connard. Ça mène un volcan entouré d'immenses flammes. S'y rendre ne sera pas de tourpeau, mais je suis sûr que tu vas t'en sortir. Va donc réduire ce dragon en miettes. C'est bien, mais tu pourras me téléporter, connard. Ah, quel PD. Vraiment, on est son larbin, ce bâtard. Hein. Allez, on repart à l'aventure. Allez, terrain un monde 7. Je suppose qu'il y aura un monde 8 après, hein, vu qu'il a dit que c'était à deux pas d'ici. En gros, c'était pour dire, il reste deux mondes avant que tu l'atteignes. Allez, étape 1. Plus là, c'est bien un monde de lave. Hein. Bon, on va voir à quoi s'attendre. Hein. Ça me fait un peu peur pour tout vous dire. Putain, mais vous vous rendez compte quand même que même ici, il y a des ennemis, les mêmes que sur Dreamland. Hein. Comme quoi, ils ont tellement confusé les ennemis que même jusqu'ici, ils ont réussi à arriver. Aïe. Ok, bon, j'ai perdu mon pouvoir. La lave est... La lave est vraiment horrible. J'ai perdu mon pouvoir.
Un pouvoir de feu dans un monde de feu, c'est pas original ça. Non, non, je veux pas. Ok, toi je m'en fous. Ouais, non, tu pourras pas passer. J'ai raté la pizza! Les pouvoirs feuilles, je suis pas trop fan de ce pouvoir, hein. Je trouve un peu trop cheaté, je sais pas. Quoique une feuille dans un monde de lave, ça va pas le faire. PD! Je parlais de l'ennemi, hein, n'est-ce pas? Ne vous sentiez pas visé. Non. Aïe, enculé, je m'y attendais en plus. Oh fuck. J'ai pas été assez rapide. C'est chiant. Oh là oh là, par contre on va essayer de pas se refaire avoir par le même truc piège à con. J'aime bien la tomate, histoire de dire au cas où t'es encore une merde et tu fais encore avoir, hein, on te met la tomate, hein, comme ça on est sûr que tu crèveras pas. Hop là, ok, c'est bon, on est passé. Nickel, une vie dont j'en ai rien à foutre. Et un boulon, j'en ai un peu moins rien à foutre. Mais encore quand même, faut pas déconner non plus. Genre j'en ai quelque chose à faire des boulons. Alors ensuite... Oh, j'ai failli me... il a failli apparaître sur moi. Ça c'est le truc cheaté avec le pouvoir de feu, c'est qu'on peut faire ça, et là l'ennemi ouais, est intouchable quoi. Mais c'est un peu cheaté, donc autant le lire. Pas top. Autant se le faire à la loyale. Eh oh! Eh mais, enculé! Il a pas aimé le coup que je lui ai fait au début là de... Enfin bon. On a branlette, j'en avais. Et comment je vais faire là? Sachant que je peux pas passer en... Ah ok, ouais, bah, j'y ai pas pensé sur le coup, mais bon. C'était une technique comme une autre. À ce coup, il faut noter en fait que quand on court avec ce pouvoir, il fait apparaître... Il marche avec de l'eau, Kirby, donc forcément, bah, il craint pas le feu. C'est logique. Alors attention, là je sens le piège à con. Parce que je suppose que... Ah c'est bon, ça éteint les blocs. On va pouvoir passer tranquille. Voilà. Pas bien compliqué ce passage. Je me demande limite pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est tellement simple. Tout ça pour un boulon, hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas, hein. Par contre il me manque 3 boulons, du coup je sens qu'on va se faire une faille interdimensionnelle de la mort qui tue à la fin. Je le sens, ça pue la faille même. Alors. Bon, donc je vais passer par en dessous, ce sera plus simple, je pense. Moi, je prends le chemin pour les mecs qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Ok. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. J'aurais dû m'y attendre à ce genre de piège. Quand j'ai vu un truc dans le lab, j'ai fait oh là, qu'est-ce que c'est que ce machin. Oup, oup, oup. Ça va, la tornade elle est passée. Maintenant c'est moi la tornade. Bon, attention, on va essayer de pas se faire niquer. Nickel. Bon, apparemment en bas il y avait un chemin de brave, hein, vu qu'on voit une vie, ça veut dire que c'est pour les mecs qui avaient envie de se casser le cul et la récupérer. Libère-moi, ne me tue pas. Putain, j'ai dit ne me tue pas, qu'est-ce qu'il fait? Oh, si je le tue, mec. Connard. Et pourquoi il fait pas péter les blocs, là? Allez, du coup, on va se le faire en mode Indiana Jones. Oh, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu le fouet. Hop, on passe nickel.
Allez, dépêche-toi, vilain monstre. Trépasse ou tu goûteras de mon fouet. Ouh. Imagine le mec qui a des phrases genre faussement classe avec son fouet. Ah, on peut le récupérer comme ça aussi. Attends, mais comment? Ah ouais, non, on peut pas, laisse tomber. On peut pas tirer en bas, en fait. Ouh, oulolo, oulolo, oulolo. Ok, on peut éviter les monstres par-dessus, je sais pas. Ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Putain, je le sens pas. On lâche sans le piège à con. Ouais. Quoi? Mais il est mort comment là? Oh, laisse tomber, même pas envie de me poser la question. Du coup, chaque c'était un piège à con. Ah, voilà. Bah, j'ai bien fait de pas l'activer. Bon, je m'en fous de ce truc. Hein. L'ennemi va se faire enculer, la clé aussi, le boulon aussi. Moi, je rush. Mais il reste que deux boulons, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on se tape une faille dans pas longtemps. Pour ne pas dire tout de suite. Hein. J'aurais dû m'y attendre. Ça me fait un peu chier de la faire, mais bon, hein, pourquoi pas. Allez, on l'a déjà vu. Il aime bien nous rappeler les transformations. Ok. Oula, ouais. Ils veulent qu'on passe comment là? Ok, j'ai pas bien compris, mais pourquoi pas? Du coup, on va réavancer. Je sais pas ce qu'il y aura encore le pouvoir, tu sais, il nous attend. Bonjour! Au revoir! Voilà, a plus le pouvoir. C'est chiant de secouer la Wiimote, putain. Imagine, tu sais, le mec qui s'énerve pour rien, quoi. Oh, c'est chiant de secouer la Wiimote. Je crois que faut que je laisse le pouvoir chargé. Ouais, non, ou pas, je sais pas. On va passer par au-dessus, ce sera plus sécurisé. Allez, on secoue, on secoue, on secoue. Hein? Mais c'est pas logique! Putain, mais non, mais laisse tomber, j'arrive, le truc il me tue direct. Mais putain, c'est juste chiant. J'en ai marre de ces phases avec ce pouvoir. Heureusement, j'ai 12 vies, hein, sinon, ça serait de la merde. Et heureusement, je garde une vie à chaque fois, presque limite. Voilà, allez, vous voyez, trop simple. Je suis trop généreux au niveau vie, ça dépend. Ok, on va faire tout passer au bon moment. Voilà, comme ça, mais ça sert à rien, encore une fois, donc bon. Je vois pas pourquoi je vais me casser les couilles à passer au bon moment. Rien à foutre, moi. Par contre, attention, là, j'ai pas envie de me refaire niquer. Putain, on a le choix entre un passage chiant et un passage simple. Je prends le simple. Hein. Pas que j'ai pas envie de me prendre la tête, hein, loin de là. C'est vrai, j'adore me prendre la tête, c'est connu. Oula, oula, oh. Du calme, du calme. Mais en fait, c'est chiant. Allez, secoue. Ok, il a pas l'air d'un gros Kirby comme ça. Ouais, ça veut dire qu'on va se taper des mondes de glace après. Ah non, ça veut juste dire que c'est des trucs volcans. Et qu'on a accès à une faille comme je le disais. Et qui dit faille dit passage chiant, évidemment. Oui, faille, je commence à trouver ça chiant à long terme en fait. Oh non, de la réutilisation d'idées. Oh, j'aime pas ça. Oh, ça c'est pas beau. Allez, on se dépêche. Allez, aval. J'ai l'impression de parler à une fille. Aval, aval, allez. Non. Là, je me rends pas la tête, hein, je rush. Allez.
Concentration. Enfin, on devrait plus être loin là. Putain. Allez. Quoi? Allez, allez. Genre j'ai que c'est à foutre de perdre du temps avec leur machin. Oh putain, casse-toi, enculé. Tirer, voilà. Passe de just. Oh putain, là il en a eu pour sa fin, Kirby. Je crois que c'est peut-être l'étoile la plus grosse du jeu qu'on tire. Casse-toi, voilà. Bien chiant la phase, hein. Attendez, c'est pas le dodo ça? Si, c'est dodo. Putain, depuis le temps que j'avais dit qu'on la verrait. Bah voilà, comme ça vous voyez la phase sommeil, attention. Alors, encore 5 minutes s'il vous plaît, laissez-moi dormir si vous voulez me réveiller, secouez-moi. Zzz. Alors, sommeil après avoir avalé. Nana ou nain pour réveiller, ok. On va faire nana. Voilà. Ouais. Un peu useless le pouvoir. Ouais, bon, en même temps, c'est le pouvoir useless de Kirby. Reconnu pour être useless, quoi. Ah, oh, ça va, on fait assez mal quand même. Aïe. Je dis ça, je me prends des dégâts, c'est bon. Aïe. Allez, passe. Voilà, je me sentais qu'il voulait passer. Aïe, mais putain, là par contre, je le sentais pas. Bon, allez, on va se le faire à l'ancienne, hein, même pas envie de me prendre la tête. J'y vais là. Ok, eh oh, c'est cheaté ça! Aïe, putain, je l'avais pas vu. Je galère un tantinet, oui, vous aurez remarqué. Putain, merde, elle a évité de peu. Allez, donne-les-moi! Gentiment, s'il te plaît. Aïe. Oh putain, mais je vais me faire avoir comme ça à chaque fois. Oh, mais fuck. Bon, en même temps, je jouais mal, c'est normal. Hein. Je voulais y aller bourrin, et puis après, j'ai voulu y aller en version off. Est-ce que je me refais? Oh non, la flemme, rien à branler du boss. Je trouve juste ça chiant, là. Pas envie de me prendre la tête, on va pas chier. Hein. Je suis un faible, oui, j'ai passé l'étape. Ah. Mais un jour, je m'arrêterai après, un jour. Non, je déconne. Hein. Alors. Oh, étape 2, ça me plaît, ça. J'espère qu'il y a 4 étapes. Et eh ben du coup, allons, allons, du con. Oula, pourquoi je dis du con, moi? Du coup, allons à l'étape 2. Ça pourra pas nous faire de mal. Hop. Autant vous le dire, là, je commence à trouver un peu le jeu chiant, parce que je sais pas, je trouve que là, ça redevient banal par rapport à la vidéo d'avant. La vidéo d'avant, le niveau, sérieusement, il était énorme. Mais là, c'est pas, ça redevient normal. C'est chiant. Encore que ça va, cette vase elle est sympa. Oh là, oh, bien les bombes. Ok. Pourquoi pas, hein. Logiquement, j'aurais pu l'avaler. Mais. Bon, en même temps, rien est logique de Kirby. Putain, ils vont nous suivre encore longtemps, les mecs, là. Oh. Oh non. Ah, mais non, mais ça, c'est du repompé de New Super Mario Bros. Wii, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Putain, mais ils me font chier à s'amuser avec le scrolling, là. Hein. Pour être sincère, ils me font chier. Hein. Allez, faire comme ça, voilà. Ok.
Ah bah ça va, ils arrivent quand même à gérer le changement de phase, mine de rien. Ah ça va, c'est plutôt sympa par rapport au niveau... Ah non, le niveau d'avant, il était chiant, là, je le dis, je trouvais relou. Mais bon, au moins, ils arrivent à... Hop, là, supporter le changement. Allez, à l'avant. Ok, tu prends pas ce pouvoir, t'es niqué. Oh, t'es niqué même, je dirais plus. Attendez, où là, gros coup de lag. Voilà, je sais pas, je sais. Wow, ça aurait fait quoi si je m'étais raté? J'ai même pas envie de savoir, vous savez. Oh merde. Et ça passe de just pour l'avoir le boulon chez... Je crois que j'aurais pas fait ça par réflexe de venir ici, bah, je l'aurais jamais récupéré. Cherchez pas midi à 14h là, ça aurait été... Va te faire foutre le boulon. Phase de nuit, forcément. Il en faut toujours une. Bon, après, quand il y en a trop, c'est chiant. Hein? Attendez, pourquoi il était aussi faible, mon pouvoir? Regardez. Oh non, c'est bon. On va passer au bon moment. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Bah, je me disais aussi, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller dans l'eau avec la Zorche. Bah, du coup, elle me sert plus à rien maintenant. Aïe. Bon, allez, on va y aller en rusher. Face dans l'eau égale face chiante, hein, je vous préviens. Face dans le noir égale aussi face chiante. En gros, je crois que à force de nous foutre des faces noires et des faces dans l'eau, oula. Ils vont faire que des faces chiantes, c'est. Donc là, j'aurais bien besoin d'un pouvoir pour me. Aïe. Les monstres sont contre moi. Allez, on passe, on n'a pas le temps de dormir là, de toute façon. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Je le sens pas là, le truc qui me rattrape. Faut faire quoi là? Attends, faut juste se dépêcher. Ah ouais, ok, ça passe. Tant mieux, j'avais pas envie de me prendre la tête là pour tout vous dire. Je crois que ça se remarque de toute façon. Allez, va pour la tornade, fais péter. On va se faire un boss comme ça là, parce que là je suis partant. Hein. Ah, c'est cool. Ah, c'est bon, on peut continuer, hein, moi ça me gêne pas. Ah, par contre là c'est un peu plus chiant. Bon, c'est bon, vu les vies qui lui restent, si je galère, y'a un problème. Allez, du coup, on va le finir avec le pouvoir. Ah, y'a bon, ok. Il a pas eu spécialement envie. Voilà. Allez, fais péter le super marteau. Oh, ça va encore, le marteau, c'est un pouvoir sympa. Marteau géant. Oula, oui, j'ai fait tomber ma Wiimote. La Wiimote, la manette, hein. Quand même, faut pas déconner. Alors, on est reparti. Tant mieux, les piles sont pas ouvertes ou quoi, parce que ça m'aurait un peu fait chier de les changer en plein jeu. Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, mais j'ai envie de le taper. Ok. Ah, tout ça pour ça. Bon, pourquoi pas. En même temps, c'est pas rien si je dis ça, mais... Oh, putain. Ah non, j'allais dire de la merde. Oh, qu'est-ce que ce truc, hein. J'ai pas envie de savoir. Allez, méga marteau. Et on en parle plus. Attends, faut tous les mettre d'un coup, là. Mais ils veulent qu'on fasse comment pour se les mettre d'un coup? Je pense que c'est pas une bonne chose si je perds mon temps à essayer de comprendre. Je vais tester un truc. Bon, faut bien que je me mette en fait comme ça, voilà. Comme ça, le premier je le tape, et ensuite je tape le deuxième le temps que ça remonte le premier. Ah non, ok, faut pas le taper trop fort. Non, ok, bon là en gros c'est mort parce que je le tapais trop fort.
Voilà, le premier c'est comme ça. Et le deuxième c'est comme ça. Putain, ouais, fallait le savoir, hein. Quand tu sais pas ça, tu peux me dire comment le sens il fait. Ok, phase à la con, qui sert à rien, juste chiant. Mais qui va au ralenti. Voilà, ça devrait être bon. Ah, trop... ah non, c'était bon. Allez, on y va en version rusher. J'aime bien quand j'avais ça, moi. Oh putain! Merde, je me dis, merde, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ouais, c'était un piège à con. Je pense qu'il faut taper le cristal, non? Pas le cristal. Prochain Final Fantasy! Ouais, non, apparemment c'était pas ça. Bon, on va continuer alors. Que voulez-vous? Allez, on devrait plus être loin de la fin là. Hein? Mais j'ai pas eu le super, enfin la faille tardivement. Ok, les ninjas ils me saoulent. Je sais ce que je vais en faire des ninjas. Ne bougez pas. Surprise! Voilà, on est pas prêt de les revoir, hein, mais bon. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé la faille, et pourtant je pensais avoir fait tous les chemins. Bon, c'est pas une grande perte, j'ai envie de dire. Allez, deuxième étage. Et on en est à 30 minutes. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je continue? Blablabla, pas. Oh, allez, il me semble que pour Kirby, j'y fais presque que des vidéos de 30 minutes, on va pas s'arrêter en 6 mois chemin. Comme ça, de la prochaine vidéo, on finira ce monde. Peut-être si vous êtes sage qu'on commencera le prochain monde. Et si le... Attendez, étape 3. Il y a que 3 étapes ici apparemment. Bon, dans la prochaine vidéo, on finira ce monde et on commencera le suivant alors. Qui sera le monde final logiquement. Et peut-être qu'on le finira s'il est très court ou s'il y a juste un boss, je sais pas. Voilà, voilà. Donc sur ce, bah, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis salut à tous, à la prochaine pour la prochaine vidéo de Kirby's Adventure. Ouais.